Alors euh, bienvenue à un autre épisode du podcast Les Mondes Alors pour ceux qui nous connaissent pas, on va se présenter tout de suite. Donc mon nom est Greg. Moi c'est SAS. SAS est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Les Mondes, Les Mondes Zer. Zer. Alors Les Mondes Désirs, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin mmh. afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. Alright, so, bienvenue, guys. Là, vous voyez que on a un petit peu changé le setup. C'est parce qu'aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial. J'ai vraiment l'impression qu'on dit ça à chaque jour. À chaque épisode. Mais, comme quand les passants disent aujourd'hui, c'est vraiment ouais, le message est ça, que est le plus important. Est ça. Si il si y a un message que tu dois écouter, c'est aujourd'hui. C'est vraiment ça. Comme Mike Todd, il dit toujours I'm really excited about this series. This series right here. En tout cas, Ok, so, um, mais avant tout, est-ce qu'il y a des annonces? Non, notre pause arrive bientôt. Les gens ne veulent pas entendre ça. Ben là, désolé, là. <laughs> c'est quand même la vérité. Mm -hmm. so, on vous prépare. Ben là, c'est parce que vous êtes opening, opening it up to talk about something that you perhaps don't want to talk about. Ouais. Parce qu'ils vont mm -hmm. dire la pause arrive bientôt. Là, il y en a qui vont dire quelle pause? C'est qu'ils n'ont pas tout écouté les épisodes. Oh, ben là, guys, okay, <laughs> c'est cette pause-là. Là. <laughs> Alors, euh, pour ceux qui écoutent l'audio, euh, c'est ça. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste <laughs> pas beaucoup de temps avant que, euh, que notre enfant naisse. Donc, voilà. euh, c'est ça. Il va y avoir une petite pause, mais on va voir, on va voir comment on va s'adapter et tout. D'une euh, durée indéterminée. Mm. Puis, la seconde billet. c'est sera ça. Il <laughs> n'y avait pas une autre euh, annonce Non parce que pas de ce que je me rappelle. Ok, pour l'instant il y en a pas. Si y en a, on, on vous dira. Euh, alors, normalement, ok, guys, on commence toujours notre euh, épisode, nos épisodes, avec une rubrique, une rubrique critique, 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 critique. Critique expliquée, c'est quoi Critique Critique? Yeah, Critique Critique, euh, c'est dans le fond un segment de l'épisode où est-ce qu'on discute puis on vous donne notre avis par rapport à une, à une activité qu'on aurait faite, euh, euh, un artiste qu'on on aurait découvert, un album, un livre qu'on aurait lu. C'est vraiment une période de critique, de review finalement. Euh, voilà. Ouais. So, euh, mais aujourd'hui, pourquoi l'épisode est spécial? C'est que l'épisode va être un... En fait, comme elle a dit on teste des activités, on teste des films, mais ben là on va tester un jeu mm -hmm. live with you guys. Y so special. <laughs> <laughs> so, euh, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à un jeu qu'on a trouvé par hasard. Là, on ne veut vraiment pas faire de la publicité là pour que si c'est bon, tout le, moins, tout le monde l'aie acheté là. <laughs> parce qu'on ne va rien retirer de ça, mais... <laughs> on a trouvé ce jeu-là par hasard sur Amazon. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Et euh, ça, ça, ça dit... Ça dit Our Moments Couples. Alors, c'est « Conversation starters for great relationships ». Alors, des façons de commencer une conversation pour des relations saines. Saine. C'est genre des, des, des sujets de, de conversation, finalement. Ouais, ouais. donc c'est des questions pour ceux qui connaissent un peu les jeux. Il y a des jeux du genre... Euh, oui. C'est quoi le jeu, là, que tout le monde joue, qu'on avait joué euh, avec les autres? Ça s'appelle « Convoy and Chill mm. ». Il y a un jeu qui s'appelle comme ça, puis tout simplement le principe c'est des cartes que tu piges. Sur les cartes, il y a une question. Et alors tu dois... Et alors... Alors tu dois... On doit répondre à la question le plus honnêtement possible. Et le but c'est de... C'est ça. Conversation starters. C'est ça. C'est de faire la conversation, dans le fond, mais souvent, c'est que les questions ben, vous permettent d'élaborer puis vous permettent d'en apprendre plus l'un sur l'autre, de tester un petit peu comment est-ce que vous réfléchissez, puis, you know, have a conversation. C'est ça. So, on est... c'est pour ça qu'on s'est mis un peu de cette façon-là, face à face un peu. Puis, euh... tu sais, mais c'est pas face à face, là, <laughs> parce qu'on va quand même parler Mais, ouais. So, on n'a jamais ouvert le jeu. C'est vraiment, on a entendu de le faire donc on n'a aucune idée c'est quoi les questions bien sûr sur les sites ils donnent quelques exemples là mais on a fait exprès de pas mm -hmm. pas regarder donc ben je n'en ai jamais ouvert le juste enlever le plastique mais là, là c'est vraiment neuf sao devant la, le micro ça va faire un j'ai fait des ASMR. ok So, on va voir de quoi ça a l'air pour de vrai si les questions sont whack ben vous allez l'entendre on va vous le dire mais tu il y a beaucoup de cartes quand même, fait que... Mm. On va essayer le plus possible de ne pas passer de questions, mais si ça n'a vraiment pas rapport... Mais de toute façon, vous ne le saurez pas parce qu'on va couper. Exact. <laughs> <laughs> Alright. Donc, encore une fois, on veut être le plus authentique possible. Alors, euh, c'est comme ça qu'on va le faire. Tu veux commencer? Sure. Mm. Okay. Peut-être sortir toutes les cartes. Ouais. Je il pas moi. Certaines personnes enjoy Okay, so our moment couple. No, you ready? Yeah, explain the music. I'm going to take the middle of the playlist. Take the middle, okay? We're going to answer the questions. Okay. Okay. <laughs> la première question: What's your most urgent priority for the rest of the year? In French, c'est quoi ta priorité la plus urgente pour le reste <laughs> de l'année? <laughs> c'est quoi tu poses That's an easy one. Quête. I Ok. Think. Mais ok. Tu penses que c'est quoi? T'es pas urgent, mais t'as as dit le bébé? Ouais, je pense que c'est ça. Ben, il y en avait peut-être deux. C'est comment ça dit? Urgent priority. What's your most urgent priority for the rest of the year? Ok. ouais, je Alors, pense que, ouais, que c'est ça. Tu penses que quoi? Je pense que je sais. Ben, c'est parce que. Euh, la question est formulée d'une façon où est-ce que I know what you're say. bon ok ben, je vais dire je vais dire for the rest of the year most urgent parce que j'en ai plusieurs puis euh... ben, toi je sais que c'est le bébé là puis rien d'autre oh. mais on a déjà eu cette conversation <laughs> non mais c'est vrai on a déjà eu cette conversation là puis on le voit de façon différente I know. mais c'est comme si toi tu j'ai remarqué que toi tu tu comme si un peu ta vie s'est arrêtée là puis maintenant c'est le bébé puis tout a rapport je suis sûre à rapport à c'est sûr que bébé. les femmes ne comprennent non mais je dis pas ouais. ça pour un... une critique là mm -hmm. c'est vraiment juste je pense que c'est ça mais pour ma part euh, je vais dire que as mis ça dehors comme ça? non mm. mais je vais juste <laughs> dire que le bébé c'est le bébé par défaut parce que le bébé m'a amené d'autres priorités. Genre. Dans le sens que là, je suis comme, OK. Comme on était mariés. Ben, on était mariés. On est mariés, on s'est mariés, on était juste deux. Puis là, j'étais quand comme, OK. Puis, tu je ne vais pas rentrer trop deep, mais. Je devais, mon, mon rôle, la façon que je me sentais, c'est que je devais prendre soin de toi. Mais là, ce n'est plus juste toi. Là, mm -hmm. c'est une famille. Fait que ça, ça a amené d'autres priorités. Fait que là, je. I feel like I have to step my game up dans le sens de les finances, dans le sens de euh, les projets, puis ton euh, impact aussi peut-être. Ouais, puis ouais, puis j'ai une autre priorité puis on, on sait tous les deux mais ça pour de vrai je, 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 je peux pas en parler. <laughs> je sais, on n'a pas l'habitude un... de faire ça, mais ouais. je ne je peux, je peux pas en parler tout de suite. Mais c'est quoi, à la fin de l'année, quand on fera un review, je vais vous dire ben voilà de quoi je parle. Ouais. Mais oui, <laughs> j'ai une, une autre très grosse priorité. Puis euh, voilà, mais c'est sûr que c'est le bébé là. Le bébé va tout chambouler, le bébé va tout changer. Fait que, par défaut, c'est ça. Mm. Toi, j'imagine, <laughs> Ben oui, tu sais, puis, c'est vrai qu'on en parle souvent, puis tu me dis que tu sens que moi, c'est juste ça, comme je focus juste là-dessus, mais, tu sais, je pense que c'est, en tout cas, généralement pour les femmes qui tombent enceintes, je pense que c'est pas mal uh, given, dans le sens que, tu sais, quand tu tombes enceinte, ben, tout change dans ton corps, dans, dans ton mental aussi, puis tu veux, veux pas, ben, tu portes l'enfant, fait, tu n'as comme pas le choix de t'en rappeler à chaque jour. Fait que, en tout cas, je pense que c'est en grande partie pour ça aussi que mon focus est vraiment là-dessus parce que je vais m'assurer que, comme tout ça après, genre, pour quand l'enfant arrive, mm. puis qu'après ça, ben l'enfant sort de mon corps, mais pour ça, il faut prendre soin de l'enfant. Fait que that's all I think about, genre, every single day. Euh, Tandis que toi, tu penses à l'enfant aussi, mais peut-être moins dans les détails que moi, je pense. Toi, tu penses peut-être plus big picture, genre, providing, protecting, mm. ce genre de choses-là. Euh, oui, pour moi personnellement, la priorité d'ici la fin de l'année 2021, je vais être là. là. So, <laughs> je pense que c'est pas mal ça. The most urgent priority would be the child. OK. Mm. Tout. On parle de ça. Mm. What five things do you enjoy doing with me? C'est un petit peu corny. Hein? <laughs> Alors, quelles quel sont Nomme euh, cinq choses que tu aimes faire avec moi? <laughs> ok, cinq choses que j'aime faire avec toi. Cinq choses. Um, j'aime discuter avec toi. Hold on. I do like discussing with you, mais je suis en train de demander. Ok, j'aime discuter avec toi de toutes les différentes façons qu'on peut faire. Donc ça, ça inclut le podcast. Mm -hmm. euh, pourquoi? Parce que je trouve que qu'est-ce qu'il y a... <laughs> je pense pas que tu ailles de pourquoi, mais Ben c'est parce que sinon c'est juste vraiment corny, genre c'est juste cinq okay, choses. Euh, pourquoi? Parce que je trouve que ça nous permet de nous connaître davantage. Comme ça nous permet de, ça me permet de te connaître davantage, mais ça me permet aussi de me connaître davantage. Je trouve que ça makes me dig, dig deeper. Um... Puis ça me permet de travailler sur moi, honestly, mm -hmm. um, in ways that I probably would not if we wouldn't have like <laughs> some discussions. Um, puis je trouve que parce que Greg, je pense que vous savez, là c'est pas un gars qui va gêner de donner son avis, genre. Puis sa perspective. So that um, ça élargit mes propres horizons parce qu'on n'a pas toujours le même avis, même s'il y en a mm. d'entre vous qui pensez peut-être que c'est le cas, ben ça l'est pas. Fait que ça, ça me questionne, ça me vraiment ça. ça, ça me fait grandir, ou ça fait juste prouver mon point. Et puis je suis vraiment... <laughs> ça fait... fait que oui, en grande partie c'est ça. C'est la première chose. On ne peut plus rien faire en COVID. Je suis comme, qu'est-ce qui reste? passe? Mais ce n'est pas grave, c'est pas, pas obligé d'être en COVID, là, en euh... général. Ok. C'est toi, Vlad, Tu as okay. dit, invité, okay. déjà, pour dîner. Je suis venu. J'aime danser avec toi. Mmh, ça fait longtemps qu'on a fait ça ouais effectivement I enjoy euh, mais plein d'affaires j'aime ça prendre des marches avec toi euh, j'aime ça regarder la avec toi. Veg, genre veg avec toi mmh. <laughs> mmh. euh, j'aime ça Oups. j'aime ça quoi d'autre avec toi j'aime ça C'est avons la last one but I want to keep it for last ben t'es rendu au dernier là. ça va hein, cinq ça... c'est quoi discuter, mes cinq t'as dit e uh, comme ça verge ouais dit ça prendre des marches oh, danser dans dans and i like having room. sex with you wow ça dit ça <laughs> de si ça on ouais, est mariés c'est ça voilà toi c'est pas c est, c est, c est... je savais pas que c'était comme le... ça on a des de questions OK tu vas face non comme ça on aura plus des questions so he's <laughs> not trying to tell me what he likes <laughs> to do with me non ça plus intéressant ask core ask OK where and when do you get Your best ideas. C'est bon ça. Tu veux mm. le dire en français? Ah oh, oui. Um, où est-ce que tu trouves tes meilleures idées et quand est-ce que tu trouves tes meilleures ah, idées? Où, où? Où? Where? Mais bon. Que en tout cas, tu pensais à where comment? Parce qu'en direct, tu as dit où est-ce que tu trouves, c'est pas where do you get, where do you find. En tout cas, je trouve que c'est. En tout cas, la question c'est où est-ce que j'ai, où est-ce que, que je suis inspiré? C'est ça que je veux dire. C'est mmh. ça que je comprends. Non. Where and when do you get your best ideas? En tout cas, moi, la réponse, c'est dans la douche okay, le ça. matin. Ouais, c'est ça. Dans la douche <laughs> le matin, c'est là. C'est ça pour pas mal tout le monde. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? C'est ça pour pas mal tout le monde? Ah ouais? Ouais. Il y en a plein, là, qui sortent de la douche puis qui donnent le plan de, comme, pas. Leur Peut entreprise, Peut-être parce que Peut c'est, comme, t'es seul puis là, mmh. c'est relaxant. Ouais puis, ouais mais je sais pas mais moi là toujours c'est là que Dieu me parle aussi le plus souvent dans la douche quand je sors de la douche comme OK vas-y vas-y puis tu te ouais. c'est souvent là que je te parle mais ouais ouais feshou sure. In the shower in the mornings ouais. OK OK une carte qui est rouge à la fin. Oh, OK je... c'est mmh. juste stop. OK alors, euh... c'est... vraiment drôle que tu es brassé comme ça, si on a vraiment <laughs> genre, déjà vu. What's the worst piece of advice you've ever been given? Ça, c'est bon. Alors, c'est quoi le pire euh... conseil que tu as jamais eu? Le pire? Le pire... Je sais qu'il y en a un qu'on a déjà partagé dans... Ouais. dans le contexte du mariage. Est-ce que ça, c'est le pire? Euh... Mais c'était pas vraiment un conseil, là. C'était plus un euh... heads-up. Oh mon dieu, le pire conseil, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a des conceptions que j'ai qui étaient vraiment juste pas bonnes, mais j'essaie de me demander si j'ai reçu vraiment des conseils qui étaient vraiment négatifs. I can't think of one. Ok, je vais dire ça. <laughs> um, quand j'ai eu ma première job, j'avais vraiment, en fait, ma vie est <laughs> ma vie, c'est parsemée d'épisodes où est-ce que j'ai vraiment de la misère à euh, gérer mon temps, ok Puis quand j'ai eu ma première job, j'avais vraiment de la misère là, comme j'étais à l'école aussi, j'étais, à... en fait, bon, ça a commencé à la fin, sé... fin secondaire, puis j'ai gardé la job tout au long du cégep et une partie de l'université. Puis, à l'université, à un moment donné, euh, j'avais vraiment de la misère à gérer, là, comme ça marchait pas. Puis, je travaillais beaucoup. Puis, il y a une fille qui me disait, une collègue qui me disait, en tout cas, bref, je vais le dire, là, mais elle était comme, tu sais, tu es vraiment capable, t'es capable de le faire. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai deux jobs, genre, puis je vais à, à l'université, puis j'ai vraiment de bonnes notes. Fait que dans le fond, si moi, je peux le faire, tu peux le faire aussi. Fait que, tu sais, je dis conseil, mais c'est genre. Fait que moi, ça m'a mis beaucoup de pression parce que j'étais comme c'est quoi mon problème parce que je suis pas capable de garder une job puis avoir mm. des bonnes notes genre mais ouais en fait c'est que comment qu'elle me parlait c'est qu'elle me mettait de la pression pour faire genre si moi je suis capable de garder deux jobs puis justement d'être à l'école puis de faire mes affaires je sais pas pourquoi toi tu serais pas capable de le faire genre mm. fait que I'm gonna go with that ok mm. mais ça n'a pas rapport parce que elle c'est elle puis toi c'est toi ouais mais je sais mais ça m'a pris du temps aussi à comprendre parce que I would beat myself up puis j'étais comme c'est quoi mon problème? J'ai juste une job. Attends, parfait. Elle en a deux. Puis elle a des bonnes notes à l'université. Puis moi, je suis genre. Fait que je comme -hmm. um, pas capable. Là. OK. Yeah, that's, that's mine. C'est pas vraiment un conseil, mais voilà. OK. Your turn. Yeah. <laughs> We don't play that here. <laughs> Attends. Oui, oui, oui. Pourquoi tu fais ça? C'est OK. Veux faire? Ouais, 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 ouais. ouais. On va ouais, le faire. Do you think we're designed for monogamy? Quelle grosse question, oui, wow. <laughs> est en esquive. Wow, maintenant il faut en discuter. Est-ce que tu penses qu'on est fait pour être monogame? Je ne sais pas si c'est un mot. Pour avoir un seul partenaire, ouais. finalement. Pour pratiquer, wow, la, monog pour pratiquer la monogamie. Pour pratiquer la monogamie. Ouais, mais en bon. esquive. Ouais, mais il faut que tu sois capable de l'expliquer, pourquoi? Ouais. Okay. Parce que vrai. toi, c'est ta croyance. Ouais, ça me tape tout okay. là. Non, mais c'est ça. C'est ma croyance aussi, mais, faut que ce... mais ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on est fait pour être avec une personne Je pense que oui. Ok. Oui. Je vais dire oui si on parle. Parce que moi, comment je le vois Ok. Je vois que ma relation avec Sarah est pas seulement au niveau amoureux. Si on parle strictement de relations amoureuses ou bien de sexe, mm -hmm. j'aurais dit non, parce que de okay. la même façon que je suis avec toi, mm -hmm. j'aurais pu aimer quelqu'un d'autre, avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, j'aurais pu faire l'amour avec quelqu'un d'autre, ouais, j'aurais pu aimer, aimer, aimer plusieurs personnes, ça aurait pu fonctionner avec plusieurs personnes. Mais si on parle du point de vue que ça tu veux dire, Kultur, attends, excuse-moi, ça aurait pu fonctionner avec euh, différentes personnes en même temps, c'est ça que tu veux dire Non. Ok. Ah, euh... oh, c'est ça la question. C'est ça, ça la question. Monogamy. oui ça aurait pu ouais parce que si on prend juste l'aspect comme relation comme homme femme mm. ben tu peux avoir du sexe avec plein de monde là mais tu peux avoir des okay. relations avec plein de monde si on prend juste sur cet aspect là I get it. mais selon moi être en relation quand on parle de relation de couple je pense pas que ça peut fonctionner avec plusieurs personnes mm. parce que selon moi il y a c'est pas seulement au niveau amoureux, dans le sens qu'on a, a un purpose ensemble, on a un, euh, un but, mm -hmm. on a une raison d'être ensemble, on a une raison d'être individuelle, mais ensemble aussi on a une raison d'être. Puis ça, je pense que ça aurait juste, ben, ce serait déjà, ça va contre le principe même de la, de la raison d'être dans le couple si tu pouvais en avoir plein avec tout le monde. Là, je ne sais vraiment pas si c'était clair, mais ce que je veux vraiment dire, c'est que tu peux avoir du sexe avec plein de personnes, mais la relation, une relation amoureuse ou un mariage, c'est loin d'être juste le sexe. Fait que selon moi, mm -hmm. euh, je pense que oui, on est comme si. Mm. Parce que tu sais, en termes de. Si on parle de juste l'homme en tant que animal, genre, mm -hmm. ben, si on parle juste de sexe... moi bon, je me répète, là. Mais si on parle juste de sexe, non. Mais pour moi, les relations, c'est pas juste le sexe. C'est beaucoup plus. Fait que je vais dire oui. Je comprends. C'est ça. Je comprends. Je me demande juste si, euh, quand on parle de monogamie, on fait référence à l'amour aussi. Ben, je pense que oui. Il y a une vidéo, là, qu'on avait regardé. Je sais pas si tu l'as regardée, mais... C'était Abba and Preach. Non, mais ben c'était pas un Abba Preach. C'était Preach qui commentait une vidéo okay. de Jubilee. Puis là, il y avait justement des, des gens qui sont pour la polygamie, des gens uh -huh. qui sont pour la monogamie, qui essayaient d'expliquer leur point de vue à des enfants. Là, les enfants essayaient de voir comme pourquoi mmh. ça fait du sens ou whatever. Ouais, là, ouais, la plupart, ils ouais. n'étaient pas capables de l'expliquer <laughs> de façon comme sensée. sensée là. Mmh. Mais je veux dire... Comme... OK. Je vais dire dans ce sens-là, pour moi, Dieu a créé l'homme. Comme l'homme s'est pas créé lui-même, on n'est pas venu de nulle part, mm -hmm. Dieu a créé l'homme, puis c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc si mm -hmm. Dieu a créé le mariage, le mariage étant ce qu'il est, par défaut, on est fait pour la monogamie. Bonne conclusion. Voilà. <laughs> ok. okay man, <laughs> Je sais pas, euh, parce que j'ai vu les ça... différentes avenues et j'étais comme, vraiment. All right. On y va avec la prochaine. If you could choose your own life obstacles, would you keep the ones you have? Alors, si tu pouvais choisir tes propres euh, obstacles dans de, de vie, genre est-ce que tu garderais ce que tu as maintenant? Ou tu changerais? Et si tu changerais tu prendrais quoi Oh Ben <laughs> là non, ça tu prendrais quoi là euh, OK. Hmm. Je... Bon. J'allais dire bon, je sais que la réponse politiquement correcte c'est non, je garderai les mêmes. Pourquoi puis je... parce que ça prouve que comme tu as grandi et puis whatever. <laughs> Puis euh, mais je me questionnais vraiment, je suis en train de me demander est-ce que vraiment je voulais garder les mêmes obstacles? Puis je vais dire oui. <laughs> je vais dire oui parce que les obstacles que j'ai eu dans la vie c'est quand je regarde où est ce que je suis maintenant, je suis contente genre. Mm. Dans le sens que je pense que s'il y avait certains obstacles que j'avais pas eu ben ben obviously I guess « The outcome would be different right now. » Tu sais, exemple, là, le struggle avec l'école. Peut-être que si je n'avais pas struggle avec l'école aussi longtemps, peut-être que je serais rendu plus loin dans la vie. Peut-être que je n'aurais pas eu le temps pour l'église. Peut-être que, tu mm -hmm, ouais. tu comprends? Fait que, euh, non, je pense que je garderais les, les mêmes obstacles, même si ce n'était pas toujours facile à avaler, là. <laughs> Parce que je comprends que, oui, non seulement tu grandis au travers de ces différents obstacles-là, mais ben, ça t'amène à une certaine position puis cette position là ben je ne je les pas so so ouais c'est so, I'm seeing the bigger picture and I would j'aurais pas vraiment envie de la réexpérimenter <laughs> mais j'aime le résultat d'aujourd'hui fait que ouais most definitely c'est bon ouais ok t es prêt pour ta question ouais ASMR « wow. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, euh, ta vie serait différente. De quelle façon est-ce que ta, ta vie serait différente? » Wow! Ben là! C'est <laughs> Complètement différente. Premièrement, est-ce qu'il y aurait les mondes des heures? Oh, yeah. <laughs> Ça, c'est un... Si les réseaux sociaux n'existaient pas, ça m'a passé une dis. Non vas-y laisse ça. J'allais <laughs> comme commenter là mais c'est fait. Ben j'aurais beaucoup plus de temps, ça c'est sûr. Mm. J'aurais beaucoup moins de distractions. Mais en même temps c'est parce que en ce moment j'essaie d'utiliser les réseaux sociaux juste pour business. Mm -hmm fait que ça aurait été plus difficile de ce côté-là pour les mondes désir pour littéralement la compagnie puis euh, ouais mais sinon parce que même tu l'aurais eu ta compagnie c'est ça l'affaire ouais. c'est ça l'affaire parce que les réseaux sociaux c'est vraiment un couteau à double tranchant puis moi j'essaye de ramener les réseaux sociaux à leur état de serviteur, là. Que je puisse me servir des réseaux sociaux, puis pas que les réseaux sociaux se, se servent, servent de, de moi. <laughs> mais um, c'est top. Je pourrais pas dire que je, je préférerais me débarrasser des réseaux sociaux. Je préfère travailler sur moi pour que les réseaux sociaux me contrôlent pas. Mm. So, ma vie serait de beaucoup différente. Il y aura du positif, mais il y aura aussi du négatif selon moi parce que tout ce qu'on fait m'apporte ben c'est ça tout ce qu'on fait m'apporte m'apporte beaucoup genre mm -hmm. ouais, ouais. j'allais juste dire que ça, ça me faisait penser à la discussion qu'on avait eu avec Elsa mm. je sais pas si tu te rappelles là, ce week-end puis ben elle parlait justement du fait que comme s'il y a des gens <laughs> ça existe encore des gens qui font des choses mais pas pour les réseaux genre ouais, ouais. pas pour les autres vraiment strictement pour eux c'est sûr qu'avec les réseaux ben mm. as l'impression de toujours devoir perform devoir apparaître sur ton nouveau sur un, ton meilleur, meilleur jour. jour fait que ça c'est quand même mais en fait c'est une pression en soi pour beaucoup de personnes mais ouais définitivement sans les réseaux notre vie serait complètement différente là mm. de, de toutes sortes de façons ouais ok all ça. right next <laughs> c'est pas une question okay. <laughs> Ça, c'est une question parfaite pour toi. Um. What's the last book that you couldn't put down? <laughs> Quel est le dernier livre que tu n'as pas pu déposer? C'est quand ton problème? C'est intéressant. <laughs> oh mon Dieu! The last book that I could not put down. Je pense que ça fait longtemps. Parce que, en vrai, I've put down books. <laughs> Mais, non, pour vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre non-stop, puis quand je sais ça fait longtemps, ben ça date de l'école, là. mais quand as commencé à lire Boundaries, là... Ben c'est ça. Parce que c'est ça que j'allais dire. Mm. Si on parle pas du fait que I couldn't put it down, genre, uh, Boundaries, definitely, c'est un de mes meilleurs livres, là. Ben, pour toutes les raisons que je vous ai dit dans l'épisode, mm. que vous allez aller regarder, je sais même plus c'est lequel. Si vous l'avez pas, je pense que c'est 49. Ouais, ouais mais euh, oui, définitivement, donc, my, my, my best book, My Most Recent Best Book. En tout cas, bref, je pense que ce serait, ce serait définitivement euh, Bungeys parce que ça, ça a révolutionné mon monde. Puis, ce que je peux dire, ok, en grande ligne par rapport à ce livre-là, c'est que ça a validé beaucoup de points chez moi que, pour lesquels je trouvais aucune validation. Ouais, aucune validation. Puis... Ça m'a permis de comprendre justement plusieurs choses chez moi que je ne comprenais pas. C'est ce que je vais dire sur boundaries. Best book. C'est bon. Mm. Ok, ta question est la suivante. Ok. <laughs> Have you ever fantasized about changing your first name? Non. <laughs> non. 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 Mm. J'allais dire parce que j'ai pas un nom comme... Puis là, j'allais wow, me mettre des wow, noms, mais wow, je vais pas faire ça. Wow, non, mais non. Parce que... Hmm. J'aime mon nom. Puis, euh, bon. On parle un peu, là, des noms, mais... <laughs> tu sais, le, le, le nom, c'est... Le nom, ça signifie nature. Euh, c'est pour ça que les noms sont importants. Parce que... Il euh, y, a, y a un concept qui dit que le nom qui t'est donné va définir ta nature ou va définir qui tu es mm -hmm. puis euh, en fait c'est quand je travaillais dans un centre d'appel à un moment donné je parlais avec un client puis là j'ai dit mon nom puis là il m'a dit euh, en anglais là il m'a dit est-ce que tu sais que ben moi aussi je m'appelle Grégory. là il m'a dit est-ce que tu sais ce que ton nom veut dire mm. là j'ai dit non là il m'a dit Bon, ça a sonné prétentieux là, mais c'est ça, guys. Il a dit, Gregory stands for leader of men. Alors, Gregory, ça veut dire leader d'hommes. Leader ouais, d'hommes. So, Pretty accurate. Ouais, mais j'ai toujours senti que j'étais un leader. Puis, euh, quand il m'a dit ça, je lui ai répondu, that makes a lot of sense. <laughs> mais non, je ne changerais vraiment pas mon nom t'as jamais t'as jamais you never fantasized about changing your name non non, non je trouve bon. que j'aime mon nom puis euh, je remercie mes parents shout out, <laughs> out mon charla <laughs> je remercie mes parents de m'avoir donné ce, ce nom mm. puis euh, euh, c'est ça fait que j'en profite pour dire donnez pas n'importe quel nom à vos enfants parce que that's a real thing um, puis euh, c'est ouais, c'est ça est-ce que j'ai une question pour toi? Mm. Est-ce que tu penses que euh, justement fantasizing about changing your name, je sais pas comment dire en français là, est-ce que tu penses qu'il de d'avoir de, de, des fantaisies ou bien de, de, de contempler ouais. changer son nom? Ouais. Ok, euh, est-ce que c'est peut-être pas? Est-ce qu'il y a peut-être pas une source d'insécurité là-dedans? Bien, sûrement. Ben, pour moi, c'est ça. Si mm. tu veux changer ton nom, c'est parce que tu n'aimes pas ton nom. Mm. Fait que soit que t'aimes pas ce que ça signifie ou bien soit c'est parce que tu t'as pas accepté euh, la beauté de ton nom à cause de qu'est-ce que les gens disent ou bien parce que c'est pas un nom commun ou parce que ouais. c'est pas un nom euh, américain, je veux dire western. Ouais. Ou t'es pas assez secure pour justement l'accepter. Ben, c'est ça. Non, mais peu ouais. importe si c'est une bonne signification, peu importe la signification du nom. Parce que je sais que, mettons, tu sais, au, au primaire, y avait des gens qui avaient vraiment des folies, là, puis que, comme, tout le monde avait un autre nom, genre, whatever. c'est peut-être le fait de voir tout le monde aller vers là, et ben, toi aussi, tu veux y aller, puis. Ça que que peut, mais sens. pour moi, c'est clair que c'est de l'insécurité mmh. si tu veux changer ton nom. Mmh. Okay. Ouais. Cool. Okay. C'est cool. okay. cool. pas pire, là, de vrai. Dommage que c'est pas quelqu'un que je connais qui a fait le jeu. <laughs> vraiment, je suis Ok. What's the best compliment you've ever received? Quel est le meilleur compliment que tu as reçu? Hmm. Quoi? Vas-y, <laughs> moi j'ai quelque chose en tête. Vas-y. T'as quoi, j'ai des beaux <laughs> Ah, tu ne vois pas la clé, celle-là. Mais bon. Euh, le meilleur compliment que j'ai reçu j'ai reçu quand même beaucoup de compliments dans ma vie en tout cas pendant que tu penses à ça moi je vais raconter l'anecdote aux gens à un moment donné, on était dans un mariage <laughs> un gars qui faisait des caricatures un monsieur qui faisait des caricatures il a dit madame <laughs> Vous avez les plus beaux yeux que j'ai jamais mm -hmm. vus. Il a dit ouais. Vous avez les plus belles pupilles. Ah bon. Vous Vous avez les plus belles pupilles que j'ai jamais <laughs> vues. Regarde ça devant moi en plus. Regarde <laughs> des pistolas. Après ah, ça, il l'a dessiné. Ouais, c'est ça. Et puis c'est même pas beau. Hein, bref, <laughs> bref c'est une caricature. Mais depuis ce là Greg essaie de me ramener le compliment. Parce que, mm -hmm. You were not the originator of the compliment. Euh, le meilleur compliment que j'ai jamais reçu en oh, quand... un Ok. Euh, en fait, j'ai souvent. <laughs> On m'a souvent complimenté. Euh, ben, ce compliment-là. Je quoi c'était vraiment On pas On m'a souvent bien. complimenté ce compliment. <laughs> On m'a souvent donné <laughs> ce compliment. Puis ça me faisait toujours du bien quand je l'entends. <laughs> um, puis en tout cas, je vais beaucoup paraphraser là. Mais c'est que je suis une personne qui aime aider. Puis, en fait, c'est comme des compliments. Je suis une personne qui aime aider, puis qu'on on aime ça être en ma présence parce que je suis vraiment comme helpful, genre. Mm. Ouais. So, that's a, that's a compliment I like a lot. OK. A lot, a lot. <laughs> euh, c'est ça. C'est tout. OK. C'est <laughs> tout, Mais j'ai aussi les plus belles pipis. OK. <rire> <rire> wow. Vas-y, vas-y. C'est vraiment poche, puis on va la skip C'est okay? poche? Non, je vais la dire, mais après ça, okay, peut-être que va je vais t'empêcher une autre. Aimerais-tu voyager plus ou moins qu'on voyage présentement? Bon. C'est ça la question. Would you like to travel more or less than we currently do? More. <laughs> C'est tout? <laughs> zone, autre je t'envoie une autre, ok. <laughs> um... What three objects that you own do you value most? C'est quoi parmi les objets que tu possèdes, quels sont les trois que, auxquels tu accordes le plus de valeur Bon. Trois objets. Je veux dire... ma caméra Je dors, mais j'arrête pas de penser à mes lunettes, fait que je vais leur dire. <rire> ok. <rire> en plus, je ne les porte pas. Mais mm. hum, ma caméra, mes lunettes. connie là, mais je dors ma bague. Je suis en train de dépenser <laughs> en plus. <rire> <rire> ouais, je, dire, je pensais ma vraiment bague, à ça. Là. Parce que ça, à cause de qu'est-ce que ça représente. Voilà, voilà. bravo, ouais, plutôt. Okay. Oui. <rire> <rire> Ok. What's something you've tried that you will never ever try again? Alors... J'ai l'impression que tu as une réponse en plus non, dans ta tête. Alors, donne-moi une chose que tu as déjà ah, essayé okay. que tu vas jamais réessayer de toute ta vie. Oh man, qu'est-ce que j'ai essayé? Je vais jamais réessayer. Hmm. j'essaie vraiment de penser. Toutes choses confondues, là, une activité ou la nourriture, <laughs> mais je ne suis pas mm -hmm. une personne difficile, je ne suis vraiment pas une personne difficile. Je n'ai pas d'activités en ce moment. Attends, il doit y avoir quelque chose. Quelque chose que j'ai essayé, que je ne vais jamais essayer de nouveau. OK, vraiment... c'est vraiment bizarre ma réponse, OK? Marcher un pont après qu'il y ait une tempête de neige. Marcher comme <laughs> la partie piéton <laughs> de pont. <laughs> je ne sais pas. ça? Je m'explique. Donc, au secondaire... Euh... Bon, bref, je prenais l'autobus pour aller au secondaire, mais euh, j'avais manqué l'autobus quelques fois pendant cette période-là. Je ne sais pas pourquoi, là. Je l'avais manqué plusieurs fois. Puis, dans le coin est-ce que j'habite, euh, si tu manques ton autobus, oublie ça. Tu mm -hmm. peux vraiment manquer ta période parce que ça ne marchera pas. Puis j'étais tellement d'arriver en retard. Puis chaque parole allait me jouer. Je pense, oh non, même pas. J'ai pris l'autobus, c'est ça. J'ai pris l'autobus, mais je me suis endormie dans l'autobus. Mm -hmm. Puis là, cet autobus-là m'amenait à Montréal si je manquais ma sortie. genre. Fait que là, quand je me suis réveillée, bien, on, était, on allait prendre le pont. Fait que j'ai sonné, mais c'était comme trop tard et quand on a pris le pont mais ben c'est le pont Puy-Neuf, puis c'est en hiver on a pris le pont Puy-Neuf, fait que là j'ai sonné puis j'ai descendu au premier arrêt qui est comme Monselet, là je pense ou je sais plus trop fait que là j'ai dû remarcher pour aller prendre mais ben pour aller arriver à, mmh. à l'école qui est à côté du pont Puy-Neuf. puis là j'ai marché mais dans la partie piétonne du pont puis il y avait neigé il y avait une tempête je pense puis vraiment beaucoup mais comme immensément de neige dans la partie piétonne et que là je marchais mais comme je pense que jamais eu aussi peur de ma vie genre oui. j'étais comme c'est sûr aujourd'hui je meurs hein? puis je comme si je meurs pas je vais tellement dire merci à Dieu comme c'était tellement pas évident je marchais puis il y avait comme si je suis la première personne à marcher dans cette partie là mmh. genre puis c'est vraiment petit puis tu sais c'est un pont en fait en tout c'est de l'eau mmh. fait que là j'étais comme est-ce que je vais tomber puis là, il y avait les voitures que je trouvais qui marchaient tellement près de moi les qui roulaient, qui, qui roulaient mmh. tellement près de moi et que je me suis dit, je ne vais plus jamais refaire ça, mais ça m'a vraiment marqué okay. <laughs> C'est la première fois que j'entends cette histoire. Je sais. Ouais, well, that's one thing I'll never do again. <laughs> 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 mais c'est oh, moi qui a posé, c'est moi qui a répondu. Have you... Have you ever pushed your body further than you dreamed possible? Est-ce <laughs> que j'ai déjà poussé mon corps plus loin que j'aurais pu imaginer Ben oui, là. Je veux dire euh, au gym, je pense qu'on est tous passés par là. Après, ça, tu trompes. Quand les gym étaient ça. ouverts. Ouais, C'est ça. Ben, C'est ça. J'ai pas beaucoup de choses à dire. j'ai pas beaucoup d'élaboration à faire sur cette question. D'accord. Okay. What's one thing you're deeply proud of but would never put on your resume? Alors, nomme une chose que tu es vraiment, dont tu es vraiment fier mais que tu ne mettrais jamais dans ton CV. Je ne mettrais jamais dans mon CV? Oh. Vous allez dire le podcast mais je le mettrais dans mon CV. là. Tu je mettrais dans ton CV? Ben, je veux dire eventually, oui. <laughs> <laughs> um, one thing I am deeply proud of. Hmm. Chose corny, <laughs> that I'm a mother but I would not put that on my cV it. Yeah, bon. ouais, <laughs> <C 'est vraiment laughs> okay okay have you ever had to make an, a public apology have you ever Have you ever had to make a public apology? Ouais. As-tu déjà eu affaire des à, excuses présente, publiques. À, à présenter des Mais on dirait que c'est pas des excuses présenter des excuses en public. Public apology that's like c'est excuse à tout. What is that? It's excuse à à tout le monde. que ça C'est à tout monde. Des excuses publiques. Ouais. Euh, non, pas à ma connaissance. Euh j'essaie d'y penser puis non. Sans quand t'étais étais jeune genre à la garde ville <laughs> je oui. non je sais pas la réponse est non ok what's one mistake you keep repeating la réponse qu'est-ce qu'elle <laughs> sont <laughs> ah ah ouais guys euh... une erreur que t'arrêtes pas de répéter euh... commencer les préparations pour quelque chose trop tard And you know. Procrastiner, donc. Procrastiner. Mais c'est parce qu'il y a une adrénaline qui vient avec la procrastination. non oh my god, ouais. <laughs> sure, c'est pour, sure, sure. pour ça que tu te Non, non, pour guys. For guys. Sure, c'est pour ça que tu te quand vous étiez à l'école, puis là, vous aviez un texte à faire de comme 10, 15 pages. Puis là, tu, fais, tu commences ton texte, tu le sais, là, mais tu commences ton texte, genre, la veille ou comme deux jours avant quand tu finis là moi je suis comme pourquoi tu te sens tellement fière! <laughs> comme pourquoi why you keep torturing yourself like puis quand t'as fini, like quand as fini es comme je vais jamais refaire ça puis tu refais à chaque fois <laughs> faudrait je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi on fait ça mais faudrait de des fois j'ai essayé de faire plus tôt mais ça ça marchait pas j'écrivais comme deux trois pages puis finalement non mais là on parle plus d'école là là on parle de tout de tout <laughs> parce que je pense que je suis une super-femme et que je peux tout faire. Tu peux prendre mes questions, <laughs> s'il te plaît. Mais comme je réponds, puis tu me dismisses. Ok, aïe. D'accord. Oh, ok. Bon. « Si tu pouvais t'enregistrer dans un programme de Ph.D. avec ta tuition payée en plein par un mystérieux mystérieux, qu'est-ce que tu étudierais? » Donc, si tu pouvais étudier pour avoir un doctorat dans n'importe quelle matière, qu si tu étais payé par quelqu'un, euh, Qu'est-ce que tu étudierais Bon, j'ai déjà la première affaire qui m'est passée par la tête, psychologie. Ouais. Euh, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça parce que ce n'est pas vraiment une question d'argent, c'est plus une question de temps. Mais c'est la première chose qui m'est venue à la tête fait que je vais dire ça. Mmh. Psychologie. Oui, okay. oui. What's one dream that you've tucked away for the moment alors, donne un rêve que tu as mis de côté pour l'instant. Là, c'est. <laughs> Il y en a plusieurs. Ok, vas-y. Parce que tu en sais. Ah, for the moment. Mm. Mais dream. Je ne sais pas, parce que. Je ne peux pas dire que c'est des rêves. C'est peut-être des fantasies. Ok, for the moment. Je trouve que le fait que ça dit « dream », ça me limite vraiment beaucoup, là. Euh... Ouais, ça me limite vraiment beaucoup. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que je me dis que je veux faire, mais je n'ai pas vraiment envie de les faire. Euh, je n'ai pas vraiment envie de les commencer. Quand je suis, mettons, si c'était même pas de... J'allais dire son nom. Si ce même pas de, de, de l'enfant, je ne le ferais même pas, genre. Fait que... Ah, oh, je ne sais pas comment répondre. « What's one dream that I've tucked away? » Ah, c'est pas à cause d'elle je sais pas ben la, la la question c'est pas à cause de ton enfant là fait que, non mais un... c'est ce que j'allais dire voyager mais c'est pas à cause d'elle là que je peux pas voyager genre. mais c'est pas dit, seulement à cause d'elle la question c'est pas à cause de ton enfant la question for the moment yeah. oh <laughs> bah euh, chaud ouais ouais euh, mm. ouais je dirais voyager parce que, même si c'est pas comme Outre-mer, là, j'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que tu sais, là, quand mm -hmm. on était parti dans le Canada, c'est quelque chose que j'aurais refait comme, vraiment, là, j'aurais pris l'occasion de le faire. Mais, for the moment, we all know that's not possible. Mm -hmm. OK. Um, what's something you've never confessed to your parents until much later and that you laugh about now? Ah! C'est quoi une chose que tu n'as jamais confessée à tes parents? Euh, Jusqu'à ce que tu arrives à un certain ça, âge. Ça, c'est drôle parce que ça arrivait l'autre jour. Oh ouais. Alors, ok. Mais, bon, c'est plus une confession à ma mère. là. Quand j'étais jeune. Euh... <laughs> <laughs> tu as raconté ça <laughs> Ici Non, je, je pense pas. pas. Je non, j'ai jamais raconté ça ici. Alors, en 2014, ouais. je suis parti dans un voyage avec mes boys. On est parti en Jamaïque. Et euh, à ce moment-là. Et bon, j'étais quand même assez jeune, puis ma mère, elle, elle aimait vraiment pas ça quand je restais tard dehors. Mais. <laughs> Alors, un jour, il y avait un chilling chez un de mes boys. Alors, on est allé là-bas, puis c'était la veille du voyage. Puis on a passé toute la nuit. Puis j'ai passé toute la nuit dehors, je rentrais chez nous à 5 h du matin. Comme si tu pouvais, comme si tu avais le droit de faire ça. Mais ma mère n'était pas dame pour ça, sauf que cette soirée-là, elle, elle a dormi. Fait que c'est ne pas rendu compte que je n'étais pas là. Fait que je suis rentré à 5h du matin. Puis quand je suis rentré, elle, elle se réveillait pour aller travailler. Fait que... <laughs> Donc, la façon que c'était faite, la maison, il y avait le sous-sol, puis il euh, y avait le rez-de-chaussée, puis les chambres étaient en haut. Fait elle était en haut, puis je l'entendais prendre sa douche, tout ça. Je l'entendais, je, je voyais qu'elle allait descendre bientôt avec moi je suis rentré je suis descendu directement dans le sous-sol parce qu'il y avait personne à ce moment-là puis j'ai commencé à faire ma valise puis là quand qu'elle est descendue j'avais l'air de quelqu'un qui était qui venait juste de se lever puis qui avait qui s'était levé tôt pour commencer à préparer sa valise puis elle a jamais su jusqu'à ce qu'on lui ai dit il y a comme deux semaines ouais <laughs> ah, ouais man. Ça, drôle. mais c'est vraiment drôle c'est qu toi si qui va gérer si nous avons besoin c'est toi qui va gérer vous êtes regardé. en plus je veux ça. comment T'étais pas habillé pareil, non Ouais, mais a pas calculé tout ça. Non. <laughs> eh hey boy. Okay. All right. One last. What was the proudest moment from the past 12 months? Quel est ton moment le plus fier des 12 derniers mois? Hmm. <laughs> Qu'est-ce qu'il <laughs> Proudest moment, euh, ben pour moi c'est lié avec, j'allais dire son nom encore une fois, c'est lié à la grossesse. Euh, yeah, proudest. Ouais, c'est lié à la grossesse parce que bon, vous savez l'historique là, on a eu une fausse couche dans le passé. Fait que le fait, tu sais quand t'as une fausse couche, t'as plusieurs questionnements qui viennent en tête. Est-ce que tu vas pouvoir concevoir Est-ce que ton corps va garder l'enfant et tout et tout Fait que je dirais que c'est vraiment tout le processus. Le fait qu'on a réussi à tomber enceinte, puis qu'elle qu soit encore là, puis qu'à chaque rendez-vous, les médecins sont comme. Elle est vraiment forte. Elle a mm. pas qu'est-ce qui s'est passé. Fait que. Shout out to you. <laughs> All right. So, bon, comme vous pouvez voir, il restait plein de questions, donc on aurait pu ouais. continuer, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête, parce que nos épisodes, c'est. Pour ceux qui sont habitués avec nous, on fait toujours 45 minutes, une heure. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, s'il si, hein, y en a qui sont intéressés, le jeu, ça s'appelle Our Moments Couples. Donc, si vous cherchez ça sur Amazon, vous allez le trouver. Ça va le lien. Euh, ouais. Puis, euh, that's it, guys. So, other than that, euh, on veut euh, remercier tous ceux qui étaient là pendant le live profondeur. Et aussi, peut-être une question que j'aurais pour vous. On cherchait. Non, laisse-le. Ça ah, va. Alors, that's it. Donc, euh... Suivez-nous, euh, on a d'autres épisodes qui s'en viennent euh, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. <laughs> so, Suivez-nous, euh, commentez, euh, share de épisode ouais. et puis euh, on va se voir en next week for another one. Puis s'il y a une question auxquelles vous vous aurez voulu répondre, ben, gênez vous pas? Ouais. Do that down in the comments. In the comments. Bye guys, peace.